When they drew 0-0 with Ghana over at the Mutiamuli Stadium. Qui a besoin juste d'un mur pour passer en juin prochain du côté d'Égypte pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, alors que les Comoriens ont besoin d'une victoire, absolument une victoire, pour participer à la toute première fois de leur histoire. It's not over. Watch that. Dagger. Dagger! C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui inscrit sa but. Et on l'a bien dit, il fallait plutôt opter pour des passes courtes pour inquiéter cette défense comorienne. Tout à fait, le jeu au pied a payé sur cette action où le ballon n'a pas été cherché dans les airs, plutôt dans les pieds pour finir sur le côté avec ce centre-tir. Ce centre fort devant le but que finit par redresser Maxime Choupo-Moting, un véritable renard de surface de réparation pour ouvrir le score pour le Cameroun. Dieu que c'était difficile, n'est-ce pas, cet entame de match. The Cameroonians are still in control. Everything seems to be okay today. The decrees are signed, the blessings is falling. Everything seems to be falling in the right place for Cameroon. Zambo Anguissa. He plays with Christian Basoga, who takes that one. Okay. Ladies and gentlemen, it's a goal! Christian Basoga! Christian Basoga! Pour son 16e match avec les Lions, qui inscrit un but très important dans cette rencontre. Alors tout est parti d'une longue période de possession de l'équipe du Cameroun en phase offensive. Il y a eu ce ballon donné par Zambo Anguissa, suivi de cet appel de balle qui a ouvert la voie à Christian Basoga, qui s'est engouffré dans la brèche par une frappe sèche. L'on voyait depuis quelques secondes que le gardien de but avait déserté ses buts. Belle lecture du jeu de Christian Basoga qui place. The throw-in is executed. Clinton Mwangi breaks into the 18-meter box. What does he do? Ladies and gentlemen, he does it! Je vous ai parlé tantôt du coup de grâce. Je vous ai pas entendu coup de grâce. Est-ce que l'entrée de Clinton Dier ne serait pas une occasion pour assommer ses Comoriens? 3 buts à 0 pour le Cameroun. Il reste une minute à jouer dans cette rencontre. Tout en vitesse, tout en dribble et tout en finesse. C'est ce pourquoi il est là, dans cette équipe. Il a étalé toutes ses qualités, Jack Clinton, dans cette seule action. Toute la vitesse y est, toute la finesse. Et tant mieux pour l'équipe du Cameroun. Et il faut saluer, Benel. Et il faut saluer les prédictions de l'encadrement technique des Lions d'Octobre du Cameroun. Clarence Sidov l'a dit il y a 24 heures. Pourquoi se mettre la pression quand il s'agit des Comores? Pourquoi se mettre la pression alors que nous ne sommes pas face au Maroc? Nous ne sommes pas face à l'Égypte. One of the things you should like with the move by Clinton Jede is how stable he was to dribble the goalkeeper. He was not in a hurry to give a crossing. He was not in a hurry to waste the ball. He kept it, dribbled the goalkeeper, and the pole was empty for the execution. All the qualities of Jack Clinton in this action.